de features vers les différentes équipes et on va le faire individuel de chaque équipe donc on va procéder à la constitution du programme pour plusieurs équipes qui constituent en fait un train ce qu'on appelle en langage safe un agile release train et on va construire le le plan de release et assigner les différentes features du backlog vers les différentes équipes du train et pour ça je vais à nouveau me basculer sur rally Et ouvrir un plan ou constituer un plan. Dans ce plan, je vais indiquer quelles sont les équipes qui vont travailler dans le cadre de ce plan, de cette programmation. Et je peux ajouter toutes les équipes qui sont disponibles dans le système. Et puis ensuite, déterminer quelle est la release pour laquelle je vais constituer ce plan. Est-ce que dans le cas présent, c'est la release qu'on appelle la release 2. On a jusqu'à quatre releases qui ont été constituées. Et je vais aller choisir, intégrer toutes les features euh, que l'on va répartir dans les différentes équipes, en m'assurant que hein, la feature que j'ai constituée tout à l'heure euh, était bien présente. Et donc je vais importer euh, mes différentes features et constituer. Mon plan en assignant les différentes features aux euh, différentes équipes. Et je vois que j'ai des indicateurs de capacité, ce qui fait que ces indicateurs de capacité vont me donner aussi des marqueurs pour dire bah, je suis euh, en sur- ou en sous-capacité, attention, euh, en termes de, de features que l'on va pouvoir assigner à telle et telle équipe parce qu'il peut y avoir des limitations en termes de capacité. Je peux déterminer que Telle équipe a une capacité qui est plus réduite que telle autre. Donc je peux jouer sur ces, sur ces critères et donc ensuite alimenter les, euh, les, différents, euh, les différentes équipes avec euh, chacune des features que eux-mêmes auront à construire. Je vais voir, euh, j'ai déjà un plan qui a été euh, constitué pour vous donner un petit peu une, une idée de ce que ça peut donner en, en rendu. Voilà, je vois que là j'ai une capacité de 30 et j'ai une, une assignation de, de, de features qui est beaucoup trop importante pour la capacité réelle de cette équipe, ce qui fera que soit je répartis ces features sur, sur d'autres équipes, soit je la laisse au backlog et elle sera intégrée dans une autre release. On va ensuite pouvoir monitorer eh bien, le déroulement de ce plan et de suivre la progression des différentes équipes en temps réel à travers le portfolio Release Tracking. Donc, ce qui fait que je vais avoir par itération, par release, euh, je vais me mettre au niveau du train, qui, constitue, qui est constitué donc de plusieurs équipes, et je vais pouvoir voir et visualiser pour chacune de ces équipes quelle est la progression par itération, par sprint, quelles sont les différentes features et les différentes user stories qui sont constituées et qui, sont, euh, qui font partie. De chacun de ces sprints et donc avoir une vision globale par équipe, pour un ensemble d'équipes, sur chacune de ces itérations, quelle est la marge de progression et comment fonctionne le, comment fonctionne le plan. Et je vais pouvoir aussi avoir cette, cette manière de pouvoir gérer, d'avoir l'ensemble des features et de les gérer en mode Kanban avec. Euh, une visibilité de ce qui est aujourd'hui dans le backlog, ce qui est en cours de constitution, ce qui a été euh, euh, accepté ou euh, ce qui est toujours en développement, avec la possibilité aussi d'avoir des conditions, des conditions que l'on inscrit par étape euh, pour décrire quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que une feature puisse passer d'un état à l'autre. Alors, je ne sais plus si j'ai beaucoup de temps ou plus assez. Euh, je vais peut-être m'arrêter là pour voir s'il y a peut-être quelques questions à ce stade. Ah, si, pardon, attendez. J'ai juste un petit retour à faire sur Clarity. Pour vous montrer qu'en fait, finalement, ben, on a fait un certain nombre d'opérations, on a fait un certain nombre d'actions dans euh, Rally qui permettent de pouvoir gérer euh, le développement, la construction, le build euh, de, et l'exécution, en fait, de ce qui avait été prévu au niveau de la feuille de route business. Et donc, euh, le business qui a autorisé. Euh, la mise en production de l'épique qui ensuite s'est poursuivie dans un, dans un échelon avec la répartition du travail sur différentes équipes, comment on va voir maintenant remonter, revenir euh, et avoir une visibilité finalement intéressante pour le business, pour connaître un petit peu l'état d'avancement et savoir si finalement en termes de, euh, en termes de release, en termes d'objets, euh, qu'on a approuvé, est-ce que on est dans les clous, est-ce que finalement on a notre, notre plan se déroule dans des bonnes conditions. Et donc, on a un certain nombre d'indicateurs. Et ces indicateurs vont me permettre de pouvoir suivre le nombre, par exemple, sur une épique particulière, le nombre de story points, le nombre de story points qui ont été réalisés, le pourcentage d'avancement, le nombre de, story, de, de user stories estimés, acceptés, etc. Et donc, j'ai une vision qui est quand même très opérationnelle. De, euh, en termes de réalisation et d'exécution, euh, à quel niveau est-ce qu'on en est par rapport au plan Et donc, est-ce qu'on va pouvoir euh, tenir le plan qui a, été, euh, qui a été formulé par le business est-ce que la release va pouvoir ensuite passer en mode euh, annonce, commercialisation, delivery Est-ce qu'on va pouvoir livrer, délivrer au marché ce qu'on avait prévu de faire Et pour ça, on va s'appuyer aussi sur des euh, indicateurs et sur des revues de performance et donc des tableaux de bord qui vont nous permettre d'avoir aussi une vision beaucoup plus orientée business sur finalement euh, voilà aujourd'hui tout ce qu'on a engagé en termes de, euh, en termes de travaux, ce qu'on a financé, comment on l'a financé et qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet de dire que ce qu'on a lancé et ce qu'on a financé est, euh, euh, et étaient les bonnes décisions, est-ce qu'on a investi les... Euh, les bons montants, est-ce qu'il n'y a pas des réajustements à faire, est-ce qu'on n'a pas euh, besoin de rééquilibrer un certain nombre d'éléments de, de, du portefeuille et d'orienter nos, euh, euh, nos équipes pour peut-être passer plus de temps sur des épiques, sur des initiatives, sur des éléments qui vont apporter plus de valeur, être aussi livrés plus rapidement sur le marché et permettre justement d'avoir un retour sur la valeur beaucoup plus rapide puisque c'est bien le but le principe euh, complet de l'agilité à l'échelle de pouvoir déterminer ce qui est porteur de valeur de pouvoir doser comment est-ce que cette valeur on va pouvoir l'apporter au client rapidement euh, selon un cadencement finalement assez continu euh, de façon à pouvoir euh, ne pas avoir des de, effets de goulot d'étranglement et euh, d'être euh, euh, d'être en, en, flux, en flux continu. Voilà. Donc, euh, je m'arrête là parce que j'avais prévu de faire quelque chose de très court, d'un peu factuel et de très synthétique. Et bien évidemment, vous avez, j'espère que ça a aiguisé votre curiosité. Vous avez des tas de questions. Peut-être vous, vous projetez pas encore dans ce mode de fonctionnement d'agilité à l'échelle, mais vous en avez entendu parler. Où vous êtes peut-être en cadre, en, en, en cours de transformation, l'entreprise autour de vous est peut-être en train justement d'avoir de plus en plus de, de, de démarches ou de réflexions pour se mettre en, en, en mode de fonctionnement agile, à agilité à l'échelle. Évidemment que Clarity est un outil qui permet de pouvoir piloter des projets en, monde, en mode classique, en mode traditionnel. Mais voilà, aujourd'hui, les évolutions qui sont amenées par des entreprises comme Broadcom, sont essentiellement pour pouvoir justement aider, anticiper ces transformations d'agilité à l'échelle et de pouvoir faire en sorte que les équipes se retrouvent à travers ces outils et puissent justement communiquer pour éviter qu'on ait ces, ces fossés qui se créent entre ce que le business a de plus en plus à, à, à produire en termes de, de vision, en termes de... Euh, d'objets euh, en termes de, de, de valeur à apporter à, à ses clients et les équipes qui se chargent de le construire, de l'exécuter et de devoir le faire sur un, sur un mode de plus en plus rapide. Euh, merci, françois. il nous reste à peu près cinq minutes. eh bien, on va profiter de ces cinq minutes pour répondre peut-être à une ou deux questions. si, si je peux y répondre? Je n'ai pas le, la vision sur, euh, sur le chat, donc je ne sais pas quelles Alors, sont les. Euh, on a eu une seule question pour l'instant qui était euh, en fait repositionner les, les features par rapport aux, aux tâches. La question de Patrick Moisan était euh, dans l'exemple que tu avais montré les ressources imputent sur des investissements de type feature et qu'il euh, avait du mal à comprendre comment on faisait un plan de coût dessus. Bon, J'ai un peu répondu en disant que les features étaient l'équivalent des tâches que les investissements étaient plutôt mappés avec les équipes, euh, pardon, avec les épiques. Euh, eh bien, je vais juste remontrer ce schéma que j'avais euh, présenté et qui, effectivement, répond à cette, euh, à cette question. On va dire, on va utiliser voilà, les, les tâches pour être un peu les réceptacles des features et qui vont permettre, justement, de faire cette imputation et d'avoir cette… Euh... Par contre, ce qu'on veut euh, et ce qu'on recommande, c'est de dire, mais au-delà des tâches… Euh, on, on a la possibilité de créer une, une véritable, un véritable WBS, une hiérarchie dans, dans, dans Clarity. Et, et cette hiérarchie peut potentiellement être le reflet de cette hiérarchie agile qui, au-delà de la feature, eh bien, on va avoir des user stories, etc. Sauf que les user stories, c'est quelque chose de très concret pour des équipes agiles qui doivent travailler sur un certain nombre d'informations et de critères. Et ce qui intéresse les gens qui sont derrière Clarity, c'est de pouvoir avoir cette consolidation au niveau de la tâche, donc au niveau de la feature, parce que c'est la feature qui va permettre de communiquer au marché, qui va permettre de communiquer au, au business, qui va permettre de communiquer à différents intervenants pour dire, dans le cadre de ce, de cette, de, de ce produit ou dans le cadre de cette, de cette chaîne de valeur, typiquement, dans le cadre, par exemple, d'un produit comme Clarity, à chaque release, puisque quel, quelqu'un avait posé la question au début en disant mais les montées de version de, de Clarity euh, en SaaS, comment ça se passe Eh bien, on pousse les nouvelles montées de, de version. Euh, et dans le cadre de chacune de ces montées de version, pour nous, c'est une release, vraiment en termes en terme agiles. Et donc, dans chacune de ces releases, on a des nouvelles fonctionnalités, on a donc des nouvelles features. Et ces nouvelles features, euh, on les communique au marché, à savoir que on organise des présentations. Et ces présentations, on invite tous nos clients pour pouvoir euh, connaître, prendre connaissance de ce qui est, ce qui est nouveau dans Clarity, dans la, dans la nouvelle version de Clarity. En fait, cette nouvelle version de Clarity correspond à une release, et on a donc un, un plan de release pratiquement tous les trimestres. Et donc à l'intérieur de chacun de ces entre deux releases, entre deux trimestres, eh bien, on a cette programmation incrémentale dans laquelle on va avoir ces épiques qui vont constituer, qui vont dire, ben voilà, on a dans le développement d'un outil comme Clarity, on a une, une grande partie de nos clients qui veulent qu'on fasse de l'amélioration sur la partie investissement. On a aussi besoin de faire une évolution sur les aspects ergonomiques. On a besoin de faire une évolution sur les aspects techniques, euh, performance de la plateforme. Et donc voilà, une épique qui va être plutôt euh, investissement, une épique qui va être plutôt tournée sur tout le socle technologique et l'évolution du socle technologique. Et puis euh, une autre épique qui va être sur les aspects ergonomiques. À l'intérieur de chacune de ces épiques, eh ben je vais avoir des, des features, des fonctionnalités. On va permettre de pouvoir avoir des filtres plus évolués. On va permettre de pouvoir Créer des plans de coûts, des plans de bénéfices, on va permettre de pouvoir, euh, sur le socle technique, avoir plus de richesse d'API. Tout ça, ce sont des, des, des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, c'est ce qu'on appelle des features en termes agiles. Et donc, si on veut gérer ça, eh bien, on va avoir ces fonctionnalités sur lesquelles on communique et on rend compte en termes d'allocation de, de ressources, d'investissement. Et puis ben, ça n'intéresse pas nos clients, ça n'intéresse pas non plus nos financiers de savoir que finalement cette cette fonctionnalité de filtre évolué a généré 25 user stories, et que chacune de ces user stories a des tailles plus ou moins différentes et que elles ont des statuts plus ou moins différents. La seule chose qui est intéressante de considérer, c'est que par rapport à cette fonctionnalité qu'on a prévue dans le cadre de cette release, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir L'intégrer et de pouvoir la livrer à nos clients tel qu'on l'a prévu. Et donc là, ça a tout son intérêt et toute, euh, et toute sa, son utilité de pouvoir le suivre à ce niveau-là dans Clarity. Ok, bah tu finis euh, pile poil à l'heure. Eh bien, belle performance pour euh, justement quelqu'un qui doit démontrer euh, des produits qui sont qui sont construits et calibrés pour arriver à l'heure et même pour gagner du temps. Merci François. Il nous reste à vous souhaiter à tous un bon week-end. Merci de votre participation et je vous rappelle que ça sera en ligne prochainement. Vous pourrez pouvoir rejouer ce, ce, ce webinaire à volonté en mode replay. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.